Salut. Ce que vous allez voir est mon premier film que j'ai réalisé avec une caméra. C'était en 1997. À l'époque, j'étais allé à la Troc 2000, ça s'appelait à l'époque, et j'avais acheté une caméra VHS-C d'occasion, ce qui m'avait permis de monter ce petit film que vous allez pouvoir voir. En fait, je ne l'avais pas monté à l'époque, parce que au lycée, déjà, c'était assez dur d'avoir l'étape de montage analogique. Le temps qu'il m'aurait fallu pour les monter. Alors maintenant, j'ai la table de montage chez moi. Et donc, j'ai monté, d'après les indications que j'avais laissées, que ce soit sur les cassettes, au plus près de ce que j'ai pu faire. J'ai sonorisé le film du mieux que j'ai pu. Parfois, je suis désolé, ça ne va pas être compréhensible toujours. J'ai essayé que ce soit le plus compréhensible possible, surtout quand c'était la scène, vous allez voir, dans la boîte, n'était pas évidente à faire. Bon, je trouve que c'était quand même pas trop mal pour un premier film. Surtout que j'étais pas très en forme à l'époque, faut bien reconnaître, et que j'ai eu du mal, notamment vous allez voir que j'ai eu du mal à trouver la fin. Je ne l'ai pas retrouvée, je pense que j'ai repassé par-dessus, où elle est complètement perdue. Du coup, j'ai reconstitué la fin du mieux que j'ai pu avec des trucages avec Photoshop. J'espère que vous apprécierez quand même ce film. Eh bien, bon visionnage et peut-être à bientôt pour d'autres archives de cette époque, comme Les Envahisseurs ou Les Contrepétris ou. On ne sait jamais quand j'aurai le temps. Salut! I think we have some late word just arriving, and I'll interrupt to bring this to you. That satellite, you'll recall, started back to Earth, but never got here. That's the space vehicle which orbited Venus and then was purposely destroyed by NASA when scientists discovered it was carrying a mysterious high-level radiation with it. Incredible as they seem, the unburied dead are coming back to life and seeking human victims.
oui. Film, je joue l'ami du mort-vivant. C'est un rôle très important pour le déroulement du film. Mais que se passe-t-il? On peut couper là, excusez-moi. Ouais, vous savez, moi, je fais surtout ça pour faire mes heures d'intermittence. Vous savez, je suis figurant, seulement on voit à peine dans le film, je crois. J'aurais pas grand-chose à faire, du coup, ça parle. Alors bien sûr, sur une grosse production telle que la nôtre, on peut pas tous avoir un rôle prédominant comme le mien, comme celui que j'entretiens avec le mort-vivant. Nous avons aussi toute une équipe sympathique de figurants, comme Mélina. Ouais, je vois pas pourquoi j'ai pas eu le rôle principal, j'ai carrément mieux que cette grosse vache. Oui, le réalisateur m'a repéré quand il m'a vu sortir du couvent, et je lui demandais une interrogation au Vatican pour... Que se passe-t-il, monsieur? Oh mon Dieu, le pauvre homme, comment fait-il? Excusez-moi, on peut arrêter. Mademoiselle, ça va? Mais qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que c'est vous qu'on interview pour le making-of. Mais c'est moi le réalisateur, vous avez pas à parler. Mais vous êtes seulement un figurant. Attends, bouge. Oui, alors vous voyez, on fait quand même des réductions sur ces tournages. La preuve, là, on est obligé de se maquiller nous-mêmes, les figurants, et avec du maquillage vraiment de très mauvaise qualité. Je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Excusez-moi. Je suis sûr.